Guanous fait comme quoi une frontière qui sépare Haïti et Saint-Domingue pral fermé dans jour cap vinn la yo pour ne pas dire dans heure cap vinn la yo. De qui font nous pas la voix? Qui est-ce qui t'a fait annoncer ça? Est-ce que pral un impact négatif ou soit positif pour Haïti ou bien Saint-Domingue si toutefois que frontière ça ou soit frontière yo t'a fermé une autre fois encore. Ah ben d'abord prends tes chaises bon croisez pio parce que sous Ricky Haïti il me parle bon genre détail dans bon petit mamite sous gros décision ça qui prend et si toutefois que t'as passé à l'action un jour pral vinn la yo qui ça cap gagner. On allez. N'abzou bonjour, bonsoir, dépendamment de à qui l'aïkop gade vidéo ça, c'est Ricky Haïti Kante la Kayou, yon channel, yon plateforme qui nous crée spécialement pour vous, pour nous capable motiver, orienter, mais spécialement informer de toute actualité qui a passé, quel que soit raconte qu'elle est Islan Saint-Domingue, de pousser Haïtien, quel que soit côté trouve dans le monde là, dans porter la Kayou pour vous, sans pas besoin de déplacer, parce que Ricky Haïti, nous c'est géo côté bio pas arriver. Et nous voulons profiter de l'occasion pour nous dire merci à vous-même qui toujours supportez nous, qui ton like pour nous, commentez la vidéo, mais surtout partagez avec femmes, amis, compatriotes haïtiens pour plus pour nous capables de connaître bonjour information de toute la qualité qui a passé ici dans ce domaine qui concerne nous et dans le cas ici. Et vous-même, si c'est la première fois que vous visitez la chaîne, si c'est la première fois que vous regardez la vidéo, si vous pouvez vous abonner, nous vous profitons de l'occasion pour faire partie de la grande famille qui est Ricky Haïti. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton rouge qui marque abonner ou cliquer sur le petit cloche sur le côté là pour toujours recevoir toutes les notifications de chaque publié vidéo. Et sans perdre de temps, nous passons avec le sujet pour aujourd'hui qui est posé frontière qui est le fermer. En allez. Mais une chose que nous voulons attirer l'attention sur lui, c'est que nous-mêmes, Ricky Haïti, nous ne pas journalistes, nous ne pas faits nouvelles. Nous seulement trouver information qui est fiable, information que nous sommes capables de faire confiance et nous partager ensemble à vous pour qu'on ait des gens qui sont supposés comporter, pour qu'on ait bonnes informations qui passent ici, qui concernent vous-même, qui vivent ici, ou soit qui vivent à Haïti. Mais l'information que nous allons partager ensemble à vous, supposé frontières que vous allez fermer probablement dans le jour où vous allez venir, nous trouvons dans une page journal officielle qui est dans ce domaine qui est les Noticias Telemicro. Qui sa notice à Telemicro dit? Eh bien, c'est titre ça que vous partagez hier après-midi sous cause ça. Vous allez comprendre que, selon rumeur, le gouvernement haïtien pral fermer frontière d'Abon à cause du coronavirus qui a envahi Haïti dans le dernier jour. En parlant de coronavirus, ou même regardez nous qui trouvons en Haïti, peu importe où Saint-Domingue tout, il faut qu'on connaisse que causer maladie ça, c'est pour un jouet que lié. Et nous même Haïti, n'a toujours exhorté, n'a toujours rappelé à l'ordre pour prendre toutes précautions nécessaires parce que le coronavirus, c'est pas un jeu de collier. Donc, on suppose prendre toute prévention, toute précaution nécessaire pendant qu'on met masque, l'on dans la rue, ou soit l'on la car, ou le monde vient visiter, ou on lave les mains, et puis on kembe distance, ensemble avec notre compatriote, l'autre ami. Parce que une façon que nous sommes capables de protéger tête de contre maladie, ça, c'est d'en prendre précaution nécessaire. Et surtout pour les compatriotes qui vivent en Haïti, nous connaissons déjà les problèmes que nous gagnons. Nous n'avons pas gagné assez d'hôpital, nous n'avons pas gagné assez de matériel, nous n'avons pas gagné assez de médecins. Qui donc, seule façon que nous sommes capables de bon sur le coronavirus, c'est là que nous prenons précaution pour ne pas tomber en bas de la maladie. Bien, à ce qu'il paraît, le gouvernement haïtien a une solution que a cherché pour éviter de causer ça. Le coronavirus là, valeter en Haïti, c'est commencer à fermer frontières. Mais une question que nous gagnons, c'est que pour qui ça, c'est qu'on a retourné avec décision ça, le cas commence à dégénérer en Haïti. N'appelons que frontière, première fois que le tabac fermé, c'est 19 mars 2020, c'est Haïti. C'est Jovenel Moïse, président d'Haïti, qui te prend décision ça, le que tu as au courant que ici, la République Dominicaine, coronavirus a déjà chita col dans le pays voisin. Ah bien, après quelques mois, tu as pris relouvrir les frontières et l'activité, tu as pris reprendre encore. Je ne parle d'activité, je ne parle spécialement des causes de venir acheter ce domaine, venir vendre ce domaine. Ah bien,
rumeur ta laissé comprendre dans journal ça qui c'est notice à télé micro côté que gouvernement haïtien probablement va le fermer porte frontière d'Abonga à cause coronavirus. On voit qu'on est que journal ça il pas content du tout et on va montrer ça dans façon que écrit texte. C'est mon journal qui professionnel du tout parce que il tout montre qu'il qui bon que le camper. Mais nous même nous ba information nous avec preuve. Pour même qui comprennent qui lit espagnol, mais nous qui te texte à bon côté nous pour capable lire pendant que nous même n'a pas essayé traduire, n'a pas essayé expliquer situation ça. Yo faire comprendre que pendant les têtes nous baissées, c'est lui nous appeler, ça qu'on appelé là pour nous bon explication. Yo laisser comprendre que pays qui plus pauvre dans l'hémisphère là rivé penser, rivé croire que République Dominicaine capable crier pour souffrance yo. Ça parle de Haïti. Donc c'est là même Haïti qui c'est pays qui plus pauvre dans l'hémisphère là penser que République Dominicaine t'a de crier pour souffrance que nous-mêmes n'a fait face en Haïti. Ça parle de instabilité politique, économique, sociale, insécurité, instabilité, chômage, problème, on vient sur ça. On aller plus loin, on aller plus loin, mais côté bail la belle là. Tenez bien, oui. Yo dit que il est tant nyonyos, le bord de nyonyos, thème ça veut dire comme si nous tellement remé crier, tellement remé plaindre. On un petit monde pas faire l'envie de manger, il dit comme s'il peut écrire rechinia. Rechinia. Donc on dit que Haïti tellement rechinia côté que premier ça Haïti fait façon que Haïti menace République Dominicaine, c'est là que on dit que yo pral fermer frontière. Tenez bien. Pendant que on connaît que si Haïti fait une frontière, ça va faire quelques commerçants dominicains mal. Nous essayons de comprendre la situation. Donc, ils reconnaissent que depuis Haïti ouvre bouche, ils disent m'a fait mes bons frontières pas mal. Ça l'a privé directement ou indirectement sous commerçants dominicains. Et laisse arriver sous commerçants dominicains, il arrive sous République Dominicaine. Mais pour finir, texte dit que donc Haïti menace yo pour fermer frontières parce que yo pas permettre que immigrants haïtiens rentrer ici de façon illégale, immigrants haïtiens qui insupportable surtout dans secteur côté d'Abon, dans partie ça on a mettre dans traverser d'Abon etc. Donc yo dit que Haïti menace yo pour fermer frontières. Venez font analyse ensemble avec. Est-ce que frontière pas fermé? Est-ce que frontière pas fermé? On pas ca dire oui ou non parce que on pas président Jovenel, on pas fait partie du gouvernement haïtien. C'est eux même qui responsable, c'est eux même qui ca prendre décision ça. Et on peut comprendre. Et bon garanti automatiquement que on ta prendre décision ça, on prendre sur Haïti. Mais est-ce que on ta droit prendre décision ça? Non sens m'a dire oui dès le temps. Mais est-ce que à 100% yo ta droit prendre décision ça? Si oui, pour qui ça c'est qu'on a pris une décision ça, ça yo connaît. Mais nous connaît youn Jean pouvait pas haïtien qu'on dit c'est que nous gagne trop dans manche. Et trop que nous gagne dans manche étant que pays c'est que nous pas qu'à marcher pour compte nous à 100%. Nous connaît un petit monde a essayé râler faut qu'un bémel le l'envie marcher aucun bémel jusqu'à ce qu'il prend cap col. Mais en Haïti, nous tellement parasites, nous fait des années que nous avons essayé de marcher. Nous ne pouvons jamais arriver à marcher pour compte. Donc nous avons toujours besoin de République Dominicaine dans le sens pour exporter patates que vous faites dans le gré, bananes que vous faites dans le gré, carottes, zonions, pommes de terre, tout genre de base. Nous avons toujours besoin pour que vous exportez nos produits chimiques. Produits que vous pas utiliser ici dans le pays Saint-Domingue, dans salami, spaghetti, macaroni, œufs, nous toujours besoin yo parce que nous pas décidé faire pays. Nous toujours besoin de Saint-Domingue parce que nous pas décidé mettre une stabilité politique, sociale, économique dans le pays nous. Donc nous toujours besoin de Saint-Domingue non façon bon l'autre. Donc nous pensons que si Haïti était décidé faire pays, si Haïti était mettre grand monde sous lui, nous n'avons pas choisi de faire une fois c'est nous l'un vle ou l'un vle. Alors imaginons que Kounia, cause du coronavirus, la fin des terrains en Haïti. Mais en tant que tu sois passé là-haut, c'était réel, oui, la caille voisine, la cause du coronavirus. Si nous avons fait pays, pays voisin, ça a tout bras avec nous, nous n'avons pas fermé les frontières, non?
pour nous protéger nous contre eux, nous pas capables. Nous pas capables parce que nous avons essayé de marcher, mais nous pouvons pas prendre cap comme nous parce que nous pas décidé de faire pays. Nous tellement pas décidé de faire pays. Santo Domingo qui c'est capitale ce domaine presque tourné Pétionville. Tellement de jeunes haïtiens, artistes, entrepreneurs, étudiants, toute catégorie haïtiens trouvés au Saint-Domingue parce que nous pas décidé de faire pays en Haïti. C'est une situation qui critique. C'est une situation qui frustrante. C'est une situation qu'on n'a pas demandé d'être nous jusqu'à l'heure que nous faisons pays. Est-ce que nous n'avons pas le vina au président Jovenel a annoncé que nous fermons les frontières? Nous pouvons qu'on est. Ou bien t'as capable de dire, est-ce que Jean Proverbe haïtien dit là, les cabrites l'ont fini passer, le cheval l'ont fini passer, nous besoin faire une barrière. Bon, Saint-Domingue Kounia, c'est la solution qu'on a cherché, malgré que le coronavirus a toujours monté, oui, mais c'est le vaccin qu'on a baillé. C'est amélioré, a essayé d'améliorer, malgré Santo Domingo, qui est la capitale là, vraiment critique, oui, dans le côté que nous parlé là. Kounia nous-mêmes, c'est le ça, c'est Kounia capable de dégénérer, c'est le ça qui nous a fait fermer les frontières. Est-ce que c'est pour une situation qui critique? Est-ce qu'une sérieux? Parce que décision pour faire une frontière, c'est pas les bien ou bien est-ce qu'il est mal non? C'est ti Jocelyne, ti Marie, ti Pierre, ti Jacques que chaque des jours, chaque mardi, chaque jeudi, chaque lundi, chaque mercredi, faut traverser les frontières pour venir acheter, pour aller vendre parce que c'est la cave voisine, je n'ai moins cher malgré ou pas bon qualité non? Qui sont fait avec yon Haïti? Qui sont fait avec yon Haïti? Qui sont offrir yon pour que yon fait en Haïti? Qui produit yon offrir yon ou pour reproduction locale? Est-ce que nous-mêmes, étant que gouvernement haïtien, nous bayons paysans yon, matériel pour le travail, engrais, produits pour que yon plante? Non. Nous plutôt investir yon bankob pour contraîner, pour camion, pour gens de machine à venir acheter ce domaine à revendre en Haïti des produits qui pas de bonne qualité. N'a enrichi ce domaine pendant que nous payons inverse ensemble avec pays. Nous pauvres mentalement, nous pauvres économiquement, nous pauvres socialement, nous pauvres toutes gens. Mais je dis hein, automatiquement que fini l'école classique en Haïti, obligé de traverser pour venir étudier en République Dominicaine. Pour ça, on va gagner des universités en Haïti. Pour ça, on ne peut pas gagner 3-4 grandes universités. Pour ça, on ne peut pas gagner université Jacques Mel, Inch, Saint-Marc, Jérémy, Pestel, Léogane, Grand Guave, Tigouave. Pour ça, toute ville, on ne peut pas gagner bonne université, bonne hôpital, route, infrastructure, courant, l'hôpital. Pour ça. Parce que nous n'avons pas décidé de faire pays. Nous avons crasé et brisé. Ça fait que je ne veux pas pour la décision arrivée pour que nous apprenions, pour nous faire foncer, pour nous protéger le pays. Non? C'est pour une décision qui est raciste. Non? Ça fait entre Espagne, Portugal, France, oui, ça fait dans tout grand pays. Oui. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à faire parce que c'est râler, nous n'avons pas qu'à marcher, nous n'avons pas qu'à prendre cap comme nous. Impuissant, ça fait que journal ça capable parler n'importe gens que veut de nous, que nous c'est gnognos, nous c'est rechignan, nous toujours plein niché, toujours plein, et nous penser que yo t'a de souffrir pour cause nous, nous penser que yo t'a de recevoir tout immigrant ici de façon illégale et yo traiter nous de insupportable, son manque de dégâts, son manque de respect, mais nous coupables. Qui dans le commentaire qui sont pensés, est-ce que le temps pour le gouvernement haïtien pour décision de fermer les frontières ou bien si vous pensez que le cabri de film passe, c'est le ça qui a besoin de fermer les portes? Et est-ce que vous pensez que oui, il passe trop de temps pour fermer les frontières? Si oui, pour qui ça vous de fermer les frontières? Sinon, pour qui ça vous pas de fermer les frontières? Je dis à la fin que oui, on de fermer les frontières, non pas de fermer les frontières parce que décision ça, c'est pas notre problème. Mais je dis à la fin que le temps pour l'État, pour le gouvernement haïtien, pour nous-mêmes étant haïtien, nous décidons de mettre tête ensemble pour nous faire pays. Parce que si nous ne mettons pas tête ensemble, pourquoi me sauver? 2021 a fini, 2022 a rentré, 2023 a passé, 2024, année a passé, nous avons prêté là. Rappelons bien, non?
C'est avant rien là, c'était 2010. Donc 11 ans déjà passé, oui. Est-ce que moi j'ai un an passé? J'ai l'impression de vivre mal, oui. Qui dans les commentaires à toutes sortes, c'est toujours un plaisir pour que nous lisons, parce que nous sommes Rick Haïti, nous pas simplement Chanel, mais nous sommes famille. Et c'est toujours un plaisir pour nous brasser dans sa voix et de la façon qu'on est capable, orienter de la façon qu'on est capable. Nous sommes Rick Haïti, nous sommes Géo, côté Pio pas arrivé. L'homme qu'il faut, la place qu'il faut, bébé, pour la servir. Rendez-vous très prochainement pour notre vidéo. Faut une pile précaution, bon Dieu béni. Même qu'à Haïti, faut une pile précaution, mettez masque, lavez-vous souvent, prenez distance. Pour qu'on a un virus ou capable de couper ça, faire toute prévention. Et même si c'est domaine tout, continuez à prendre précaution parce qu'ensemble, on est capable de vaincre le coronavirus. À la prochaine pour une vidéo. Bye bye.